Départ de cette deuxième course, 1600 mètres à parcourir à Lord Byzantine avec Winter's Coming. Green Street Tractor Kimberly bien parti également. Misty Roller avec les œillères à l'extérieur. Star of Kazan, ensuite Desert Thief, Rest Terrible à l'extérieur. Chester's Wish en queue de peloton juste devant lui. Thrust, lutte pour le commandement en pleine montée avec Winter's Coming. The Byzantine qui garde avec raison la corde. En dehors, on retrouve Kimberly. Star of Kazan va trouver une position en quatrième. Ensuite, on retrouve Green Street Tractor, Misty Roller, qui tente de se rapprocher à l'extérieur de Green Street Tractor, Desert Thief, en dehors de Thrust. À l'arrière, il y a Rest Terrible, qui est à l'extérieur de Chester's Wish, en pleine descente. 900 mètres à parcourir pour Winter's Coming, qui dirige finalement les opérations avec deux longueurs d'avance sur Kimberly. Le favori de Byzantine est troisième. Star of Kazan sur les barres. Misty Roller se rapproche à l'extérieur de Star of Kazan, Desert Thief. Ensuite, on retrouve Rest Terrible, qui est en parcours assez compliqué à l'extérieur maintenant de Thrust, qui perd un peu de terrain. Chester's Wish va essayer de s'améliorer à l'intérieur, à la rue du gouvernement, à 500 mètres de l'arrivée. Winter's Coming tentera d'aller jusqu'au bout, toujours sous la menace de Kimberly, surtout de The Byzantine, Star of Kazan, Misty Roller, avec Rest Terrible qui est lancé de loin. Chester's Wish est condamné maintenant à attendre l'ouverture. Les choix entament dans quelques foulées le dernier virage avec Winter's Coming. The Byzantine va foncer maintenant sur Winter's Coming, qui a toujours l'avantage. Winter's Coming avec The Byzantine, le favori à l'extérieur complètement. Il y a Rest Terrible, Winter's Coming, The Byzantine, Winter's Coming avec The Byzantine. The Byzantine, Star of Kazan va essayer de terminer bien également avec The Byzantine, The Byzantine s'impose devant Winter's Coming, Green Street.